De partout où on a l'habitude, on a l'habitude de faire la télévision, on a l'habitude de faire la télé. Maman, on a l'habitude de faire la bureau, il y a le Sénat, et on a la constitution, et pas la banane. Banane, il va trahir le chef de l'État, banane, il va salir Oyo, le chef de l'État, à Kolinga, dans la République démocratique du Congo. Toko beta masolo na composition ya bureau définitif ya Sénat oyo toko solo na mona mboka le président Ushale Mazali elongo na biso toko beta masolo ya génocide parce que belé balobi était la situation na ngambo ya Kisanga ya Kisangani très tragique. Asusu balobi ete génocide eza momoko ya ko prononcer parce que il y a pas eu génocide na carte République démocratique du Congo. Là ce sont des propos de gens oyo biso toko beta masolo mokolo ya lelo toko solo là par rapport il y a ba sujet na carte République démocratique du Congo. Nani a fait fuiter information il y a santé à chef de l'État pour qu'il y ait na place publique que mon conjoint Kobela ni fiscal qui a fait fuiter les formations à chef de l'État na place publique. Président Azalina Biso Longo to Kobeta na masolo, président Yerushalema Mbote na yo. Mbote mingi mosakoli ya journaliste na vincengo. Ya kozala mokolelo pona okabole na ba congolais. Ma union sezo le kanamboka na bango. À tout seigneur tout honneur, je salue la diplomatie intelligente active et gagnante de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce qui nzambe a disposé ka mawana été pas ba congolais pour que apese bisoyé akama mboko ndenga zo kambango na évité ce qui le lot lingai toza wapi point d'interrogation. Et la chance que nous avons aujourd'hui na katia mboko na biso Congo ezaki que son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bonza kamboka ya Congo et pas yemei la tanzambe oyo akela mokili na bibrele nyonso na lola pour que ye akonza Congo mwana mboka Tshisekedi azala neti azala mosali ya nzambe. C'est la chance que il a eu plusieurs tentatives ya coup d'état, plusieurs tentatives ya assassinat, ya empoisonnement lelo selon ba analyste au babzo tanga nombre ya temps nombre de fois oyo son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été tenté depuis son accession au pouvoir na 2019 jusque na 2024 neto zalelo na 8e mois. Ça fait plus de 300 fois que au babzo tenté kaka lobi lobi awa. Il y avait aussi une enveloppe là avec des poisons extraordinaires yaba français na ONG Mobo yaba français. Et c'était ça que on a eu à voir des choses invraisemblables. Mais Dieu étant grand à l'ingi Congo, nous savons que non makamioso et okende bien avec nzambe ndenga zo kambela Congo nae. Voilà, na bandi ete ba congolais ba kulanda biso de partout vous nous suivez à ce net moment de partout bozali hein, bozali tellement ebelé lelo oyo nous sommes là toujours pour vous servir la bonne information et l'information certifiée et nenge to kulubaka toujours ici information certifiée sur Congo Live Télévision. Toko beta masolo parce que là c'était l'entrée ya mon amboka président Yerushalema. Président mon amboka, toujours d'abord na histoire ya génocide aujourd'hui. Otomoni, la situation na kati ya Kisangani, deux armées ba ekobunda na kati ya Kisangani, UPDF, RDF ba ekobunda. Aujourd'hui, indemnisation et pas ya mon amoka Constant Mutambo to kolobana et bravo. Ndenge quand même il azo indemniser ba victime wana avec $2000 par victime. Nous savons que ils ont beaucoup, il y a ceux qui ont beaucoup perdu, mais au moins cette reconnaissance de la part de l'État par rapport à Monsolo au Uganda,
andimaki kofuta eko komme la belle bien bato na maboko quand même c'est quelque chose à produire à applaudir bravo na mona mboka Constant Mutamba président Yerushalema Genocost na kati ya République démocratique du Congo. Oui, quand on parle de Genocost pour moi zosalanga kolela pas yebele sur la situation à Genocost à Congo. Regardez les vrais faux génocides à Rwanda au Yoba Occident toba créa pour occuper SRDC ba profiter ba Balkanzango. On parle de 800 000 personnes. On parle de 800 000 Rwandais. Oba Koufa. Mais ici chez nous, on est au-delà de 16 millions aujourd'hui. Mais l'homme occident, complice il y a tout ce qui se passe, il fait les sourdes oreilles, il fait semblant comme rien n'était. Il y a eu plusieurs massacres, Oyo et Salaka, na Est, il y a RDC. Donc le massacre, il y a Tingi Tingi, période Oyo, Afde la Banda qui koya. Donc le massacre, il y a. Il y a plusieurs massacres, donc comme le Kotangi là-bas congolais, quelques massacres. Oyo et boma ba congolais neti ba mpese neti ba ngongi et l'homme occident complice il n'a jamais fait ce qu'il faut pour mettre fin na aventure au ezo le kana est. Mais ça nous fait très mal de voir cette guerre continuer jusqu'à aujourd'hui. Ça nous fait très mal de voir cette guerre continuer jusqu'à aujourd'hui. Et parce que à l'intérieur, le président Koluka, pour parler sur la situation à Genocost, déjà, il faut le soutenir, il faut le dire que Nangamboya, Est la République démocratique du Congo aussi, cette problématique avec Ishasha, les communiqués sous nos FRDC, Ishasha est sous contrôle de nos FRDC. Là, il faut bien les définir. Et président, la bande de ceux qui ont moni en gros, tout comme mais déjà, Genocost, dans la République démocratique du Congo, il y a quand même des témoignages aussi de quelques victimes Oyo, parce qu'il y a qui ont été les Camboya Genocost. Est-ce Genocost? C'est la question, il y a sécurité à la frontière et à la Congolais, parce que nous avons vu ces deux forces armées s'affronter dans le territoire congolais, bon, là, qui s'engagne aujourd'hui dans le quartier Tchopo, et pas Yoap, ils allaient vraiment bah, trace jusque là, Genocost, ils allaient visible dans le quartier Wana, Lelo Oyo, il y a eu même des gens oh, bah, qui n'ont qu'il là sur place. Pour rendre compte de la situation, avec Papi Mouye, ministre de la Communication et Média, il y a une nouvelle campagne où ils allaient dénommer tout pour la patrie, nous pour la patrie jusqu'à la paix où ils allaient quête où ils allaient rechercher dans le cadre de la République démocratique du Congo, président et Yerushalema. Donc, l'endroit où massacre, il y a massacre, il y a Kasika en 1998. Force Oya RCD appuyée par Rwanda. Deuxième massacre de Makobola en 1999. Force ya na Kivu, na Sud Kivu, les combattants RCD appuyés toujours par armée rwandaise. Plus de 800 civils tués. Donc l'année sous massacre ya Mwenga en 1999. Force RCD ont été accusés d'avoir tué plus de 150 civils. Toujours appuyé par l'armée rwandaise. Et tout le monde massacre, nous sommes à Kisangani, au Tozolo, il y a 2002, entre RCD Goma avec l'armée ougandaise, IPDF. Et qui sont à la base de ça? Ce sont toujours des Occidentaux. L'Occidentaux soufflait et le chaud et le froid. Bah, nous sommes à Mandako appuyé Museveni, bah, nous sommes à appuyé Kagame. Toujours des mêmes Occidentaux, bazo. Tirer ficelle. Quand on se venait, bazo tirer ficelle côté Kagame. Et, bitan de guerre, nous sommes, pillage nous sommes au Congo, bazo que nous sommes que la Bango. Et Bango bazo s'imposer, n'a pris au Bango à Kolingela, bazo bazo. Mais quand on parle de ça aujourd'hui, c'est là où je salue la bonne foi de Son Excellence, Ex-Antoine Tshisekedi Chilombo, comme fils maison, il y a un de tozo lingeke, to tchami beko yasika, pour que Moutou Azala na ce qu'on appelle
le pouvoir régalien ou bien la pouvoir régalien en boko yo mutwana aza la fils du pays des pères et des mères parce que pourquoi contraire en boko na été pour être chef d'état-major général, pour être gouverneur de la Banque centrale, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, provinciale. C'est là où nous parlons que nous devons changer la constitution. Et regardez que la guerre c'était depuis André Yafdel, 1997, jusqu'en 2002, la guerre de six jours. Nombre à bateau, beaucoup fait jusqu'à aujourd'hui. C'est au-delà de 5 à 6 000 personnes. Mais Rwanda a été protégé par la communauté internationale. Parce que Rwanda, c'est les gendarmes des Américains, des Anglais, des Français, des Belges et des Allemands. Museveni a été livré dans la Cour internationale de justice. Mais moi, Mbongo Oyo a Pesaki, première partie à Kendara na Kisangani. Pesaki a bandé, on a besoin à peu près $350. Mais Mbongo Moussousou, commission Oyo a été chargée, il a condamnisé. Bat oh bah kufa na ba fartin famille na bango na ba mususu ba bukana ba makolesi konso ero na landa ki mwana masio ya banda ko pesa témoignage na lela ki j'avais donné raison na ministre na biso ya justice Constant Mutamba ministre d'état parce que ça fait très mal au cœur et tu sais que Constant Mutamba tanga na Kisangani il connaît mieux Kisangani. Oui, parce qu'il y a eu aussi un débat autour, il y a photo, il y a moi, je Constant Mutamba, je dis que là, je suis Constant Mutamba, ça la comédie, mais en vrai, Constant Mutamba fait partie aussi des victimes. Il y a. Il fait partie la victime de Bato Kisangani parce qu'il a passé plusieurs de son temps à Kisangani. Il connaît mieux Bakarti Nyoswana ici, qu'on sort, Nandenge Bitopone Bandi, Nandenge Batokofi, il connaît. Et quand il est arrivé, avec le pouvoir aujourd'hui, comme ministre de la Justice, c'est que Mukumba Munene Oya Memi. Sur terrain, sur on appelle ici la piste des crimes, il a trouvé comment nos frères congolais ba massacrer Bango avec la charge qu'il a, ministre de la Justice, Ndeluko Banda Kolela. Comment maintenant trouver la réparation? Comment poursuivre Batunyoso Oba Congolais, Bazaki na kati ya complicité? Et c'est le travail qu'il a. Poursuivre sur le plan judiciaire, Yango, mon amour Constant Mutamba a lancé, mais aussi la mauvaise foi quand même aussi des deux Congolais, parce que Constant Mutamba l'obie était frais aux Alaki Bongo. On a quoi indemniser ma victime là, c'était dans les $250. $250, moto Oyo, peut-être à Katani Makolo, moto peut-être à perdre Ndapo, à perdre Ban, à Trelli, peut-être orphelin. Avec $250, il va faire. Avec. Non, mais aujourd'hui, quand même, on a vu cette volonté-là qu'on s'est monté à ramener de $250 à $2000. Non, mais ce qu'il a fait aujourd'hui, ça devrait être déjà fait par le gouvernement précédent. Bon, il y a un gouvernement Perodo, il y a Ilou Kamba, il y a Bamoussousou. Mais on a tranché à Libosou, tranché à Libosou. Tranché à Libalé avec Rose Mutombo. Rose Mutombo, tout ce qu'on sort. Mais c'est là où j'ai dit que Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Lobaka bien. Moukolo a investi, il y a un deuxième quinquennat, les erreurs du passé ne reviendra plus. C'est là où les Congolais, comme il y a un bon à Colandé, le Makamba, Mokana Bango, n'engé Zokendele, de 250 à 2000. Et ce n'est pas encore fini. Il y aura encore la suite. Même 2000 ouana, aujourd'hui, ça peut aider nos frères là, pour qu'ils soient à Bango. Mais suite, monsieur Chekoya. Suite Moussouya et Tokozelango parce que Génocoste, c'est pas fini. Et la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, si on les suit de près, et parce que ça vaut de la vie politique de la République démocratique du Congo, c'est la quête à la paix, quête à la paix et à la sécurisation de nos compatriotes qui est le cheval de bataille. Il y a Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On est en train d'attendre des résultats palpables sur les champs et sur les terrains. Il y a aussi, avant que Tokene la situation politique, il y a déjà ces dialogues et dialogues prévus le 30 août entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation. Il y a Luanda. Est-ce aujourd'hui, nous avons vu qui n'avait pas marché, ces mêmes dialogues. Il y a eu, on va l'oublier qui a mis sur le reconnaître parce que la condition est pesée à Maki. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait un élément nouveau où il y a été la RDC Vandalisusu et dialoguer avec le Rwanda sous la médiation, il y a Luanda. Bon, mon frère Nakati, il y a politique à Congo,
il y a à manger et à boire. C'est la communauté internationale qui nous agresse. Maintenant, ils ont honte. Il y a comment que si RDC a joué allié à Sika, baye poke, ba kote kote a mapinga na biso ya far DC na wazalendo, ba bouté ennemi dehors, et kozala soni na bango. Parce que quand on parle que M23, plusieurs groupes armés fictifs et zakona, ça a été créé période de Monusco. La Monusco finançait aussi des groupes armés. La Monusco créait aussi ces groupes armés, bazo zoa, ba coin na ba coin, et ce que n'est pas minéré zali, bazo sala, exploitation illicite. Il y avait même une autre faute. Mon adjib, mon quoi, mon ya, ya Monusco et quoi ya, et na kati kona basak na basak, ya ba coltan. Les autres na kati ya Monusco. La Monusco a yaka pona ko pacifier ST, mais a yaka pour faciliter l'organisation, faciliter multiples insécurités na kati ya RDC. Et c'est là où on est aujourd'hui, avec armée, on trouve dissuasive. Héros, son excellence, a voulu réformer notre armée malgré infiltration jusqu'à la moelle épinière, facilité par Occident. Notre gouvernement a fait le roi et géré qu'il soit pendant 22 ans. Mais arrivé à son excellence, il a fait créer jeune Moussous Yassika, une réaction à Sika, soit mentalité à Sika. Les choses ont mieux marché par rapport à 22 ans à FDL. C'est là où maintenant, homme blanc, nous envoie toujours un dialogue. Mais qu'est-ce qui est caché dans le dialogue? Période de 2003, 2005, 2007, 2009, 2012, 2013, homme occident, avec leur gendarme Paul Kagame, avec le gouvernement qui nous gérait ici il y a 18 ans, il y a FDL, leur problème c'était fragiliser tous nos services Yamboka. Banda pas d'abord services spéciaux, services de renseignement, services de sécurité, FARDC, na la police, il y avait que des infiltrations, plusieurs postes à commandement, plusieurs postes régaliens et revenaient toujours là-bas étrangers. Tout était fait que on nous vos olinga ko bongisa pour sauver votre pays, pour que ça même conquête il y a pouvoir que l'ennemi azala déjà na makamwana pour vous être fait. C'est hélas à la chance il y a son excellence en fait ça passe toujours aujourd'hui toutes les vérités commencent à jaillir makamnyoso to comme koyé bango moko moko et peuple congolais zaka tellement aveuglé avec pouvoir et à terreur il y a FDL et na dialogue au tozur bwana pour Kagame avec ses complices occidentaux, Batombaka, na piège na bango, na diplomatie, otozolo ba gagnante intelligence à son excellence, Félix Antoine Tshilombo, parce que il disait toujours que Ayebi M23 était Ayebi Paul Kagame. C'est ça une vraie histoire. Vraie histoire, et c'est la maki na utenika. Quand Bill Clinton, avec des Américains, voulait occuper le Congo, ils ont déjà fragilisé Maréchal Mobutu, ils ont créé la guerre. Parce que quand Mouzé, Laurent Désiré Kabila, a eu un agenda caché à Mundelité, il y a pour que Maréchal Mobutu, à peine ça y est, a livré Bissot et pas Kabila à Mundela Botola. Directement, balkanisation de l'Israël. Pour dire que Bango Mokonde a pris ce consentement pour balkaniser le pays. Comme Mobutu connaissait l'histoire, il nous avait déjà dit qu'après moi, ça serait le déluge. Nous vivons le déluge au Mobutu et Bissot. Et Laurent Désiré Kabila, comme il ne connaissait pas, vrai face à Mundelité, lui voyait seulement son pouvoir. Il a été tué à petit feu, toujours par le même Mundele, parce que quand il a compris en retard que je ne trahirai jamais, il a été abattu par l'homme blanc. Et jusqu'aujourd'hui, Mundele a lingaka balobe le procès, il y a l'homme Mouzete. Parce que ce sont eux qui sont complices. Nabatou na bango, soi-disant des Congolais. Aujourd'hui, Paul Kagame, avant que j'arrive là-bas, dans la héros américain, bazo sala oso qui trêve ya humanitaire. Trêve humanitaire. Mais jusque là, on n'a pas vu les actes humanitaires. Peuple congolais a moni farine terre, a moni semoule terre, a moni loko kola terre. Ces trêves là, c'était pour faciliter encore le groupe armé avec M23, bas se réarmer de nouveau, bazo ba position
parce que Babandaka déjà cochité avec de Wazalendo et FRDC. Et il faut le dire, il n'est pas plus tard qu'hier, il y a eu intensification des combats à Ishacha, jusqu'à à preuve du contraire, il y a. Et ça, le voit moi, tiraillement. Il cherche entre les mains des M23, côté, il cherche entre sous contrôle des FRDC. Aussi longtemps que nous observons mais, la trêve humanitaire pour, et pour, plus pour, les pourquoi, pourquoi des rebelles qui sont, sous la protection de la communauté internationale, baso violé trêve, ils n'ont jamais été sanctionnés. Mais si c'était que FRDC, soit Wazalendo, bah violé, wana balinga qui sanctionne l'ingébima. C'est là où on voit la politique de deux poids, deux mesures, pour dire que Trevoana, c'était une manière de nous endormir par l'Occident, alors que le mécanisme, c'est parce que leur calcul, c'était basé au Goma. Ce qui est basé au Goma, et son excellence, avec Antoine Tshisekedi, avec les Congolais, ils vont fléchir à leur positionnement, ou bien leur condition, au Baropé Sebiso, Ndenge, Batia, en applicabilité, accord au Nyoso, Kabila Tika. C'est là où il y a leur piège. Et aujourd'hui, Tozor va prendre un dialogue. Mais tu sais que Paul Kagame, comme il est coincé, tu as le même Makamba Trev, des Américains, ils ont toujours axe du mal, ils ont un axe du mal. La guerre de l'Est insécurité sont des Américains. Et là, il y a Trev, il y a deux parties. Le lobby M23, mais le lobby Rwanda. Mais pourquoi ils n'ont pas cité M23? C'est là où on parle, c'est la diplomatie gagnante. Les Américains. L'Occident reconnaît que l'M23, c'est le coquille vide, c'est l'armée rwandaise qui nous agresse. Parce qu'ils ont adressé à Rwanda et RDC. C'est là qu'on parle. Et de deux, que dit Paul Kagame aujourd'hui? Paul Kagame commence à chercher à surmonter sur sa signature, sur ses responsabilités, pour dire que non, non, le dialogue, oui, mais que l'RDC, notre pays, tozong est l'accord à 2009. Qui dit accord à 2009, c'est quatre frontières, quatre pays, quatre provinces à l'est. Où il y a accord au Trobaka, remonté dans le Kenda, où il y a reproché, et pas au Basanjo, qui remonté dans les accords où ils ont signé. Tu connais les conséquences. Tu sais que demain, après-demain, votre pays sera en danger. Ça va vous affecter, ça va vous rendre ridicule avec vos accords que vous signez. J'en suis conscient. Que dit ces accords-là? Les quatre provinces, il y a Est, Nord, Sud, Kiev, Maniema avec Tanganyika, ils ont la gestion, il y a M23. M23 a ça la police naïe, avec l'administration naïe, et en nommant même l'administrateur du territoire, même des chefs traditionnels. C'était pour dire que les quatre provinces à Est, ça a été déjà cédé. Nos frères qui vivent à l'Est, Bazakaba, prisonniers à ciel ouvert. Mais quand son excellence fait que Antoine Tshisekedi Tshilombo aille, la première chose, il a décrété ce qu'on appelle état de siège des provinces. C'est ça ce qui a anéanti, neutralisé le plan de balkanisation. C'est aujourd'hui que les Congolais commencent à comprendre comment le pays fonctionne, comment leur pays était hypothéqué déjà. Et quand on disait que l'RDC n'a jamais été indépendant, mais c'est l'indépendance, il y a RDC, des bandits qui ont été. Kagame maintenant fait les faux fuyants pour nous retourner encore dans l'accord Oyo Bassina avec le gouvernement Kabila il y a 2009, 2012, 2013. C'est ça ce qui nous fait très mal. Voilà, déjà nous traversons du côté politique pour parler de la composition et bureau à Sénat et qui fait aussi couler beaucoup d'encre. Il y a l'espace grand Équateur qui fait face à l'espace grand Katanga, aujourd'hui, et Danny Banza qui est sorti pour dire que le chef de l'État avait promis à Sama Lukonde que Yenimtaoza, la présidente du Sénat, et de l'autre côté, IBPS refuse catégoriquement parce qu'ils disent que président du Sénat, Dali Bongo, dauphin constitutionnel, le chef de l'État, Bangona IBPS, il soutient la candidature, il y a Grand Équateur pour que Bangonde Baibako Kamba, bureau du Sénat, et notamment aussi. Et la candidature, il y a Topé Kabongo comme étant questeur à l'Assemblée, et il y a Sénat, et Ivan Kakonde Kazadi comme étant rapporteur, il y a Sénat. De l'autre côté, ensemble, il y a Moïse Katumbi et Kondongwana, il y a Jean-Claude Bayende, il y a un poste, il y a un rapporteur adjoint, Bango Balobi était Jean-Claude Bayende, Azali,
au salaire d'office qu'au poignardé chef de l'État parce qu'il a compéti aux élections présidentielles étant opposant et comment a quitté l'opposition après avoir quota à 24 il y a Fifi Masuka où ils allaient beaucoup pour faire partir naba mouvement ils allaient na 4 il y a majorité et Jean-Claude Bakiba Yené joue un mauvais jeu oyo basengete Salomon Kalonda yena iba kozala rapporteur adjoint à bureau il y a Sénat et deuxième vice-présidence oyo de ils allaient kokende déjà na maboko ya Modeste Bahati Lukwebo donc il y a une composition de Sénat où ils allaient faire couler beaucoup d'encre, président Thomas Yerushalema, situation est n'engé ni n'a non, mais situation est là, plutôt pas les aïki qui boulou yek ne ozo le belango. On a vu même place où il y a Kester, il y a Sénat. Oyo, moi n'amboka, topeka bon wa tchaki wibaya. Et il y a eu aussi un autre membre, il y a Sénat, Nani Gilo Andomboyo, a tchepe libaya pour la moutunaye, pour récarter Nani topeka bon. Mais ce qui nous fait très mal, c'est quoi? Na période oyo ya pouvoir d'Afdel, il y a 18 ans, il y a sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, qui pouvait faire contraire na ba décision oyo Joseph Kabila Kabange ko kwisa. Guy Londo, ba ye na mbela oyo tata mokonzi oyo alobaki oyo ya union sacrée, mais on trouve que la plupart de tout ce monde là bazaka ba kabiliste et tout ça se consort, ba comme ko combattre IDPS. C'est ça ce qu'on ne peut pas accepter. To bengi bango avec bonne foi que nous mboka ezaya batunyoso peut perdre avec Afdel diriger ce pays ici avec système moko ya rigueur ya pouvoir comment dire que pouvoir avec avec rigueur et ce qu'on soit. Mais son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Ayé a tché balateur à le but que nous plus rien ne sera comme avant. Toute personne oyo azana libanga nae aya ko contribuer na difficile mboke tongama na ndemo ko bien mais to moni batu oyo biso to bengi ba komis ko kolinga ba écarté de pèse ba sa la politique ya wotwa jimimet ba ngoba fanda place de pèse ba comment ko combattre na de pèse place d'abord na la première personne o je cite ezagilo no mboyo azolinga cha mutu nae place ya topeka bon place de pèse comme Kester et de deux IDPS n'acceptera encore plus Yakomona Mutu à la tête de la chambre haute quand il n'est pas membre de l'IDPS. C'est l'IDPS qui est d'abord majorité là-bas. IDPS doit présenter, proposer Mutunaye et Mutunaye on a dit Mutokofanda parce qu'on avait vu quand Sam Lukonde consultait, il a fait plusieurs concertations et ce qu'on sort, il y avait des enveloppes qui tombait là-bas sur concertation avec Jean-Sam Lukonde. On avait aussi, quand Moussoussou, il y avait Jonas Munkamba, qui est aussi sorti sénateur na côté ya Équateur. Lui, il s'est dit que non, il est équatorien parce qu'il fit un ancien gouverneur à Équateur. Bah, équatorien de Bapessie, parfois, n'a que Azala. Candidat na bango na présent à Sénat, ce n'est pas un problème, mais IDPS comme parti majorité, première partie, Namboka, et Sengeli, ipso facto, Mouta IDPS afin de Nangwende, Oyo, Yasena. Tozui Makambo ya Jean-Michel Sam Lukonde, le Tchepembeni. Mais binou vous promettez qui Sam Lukonde ka osa la présidente. Sénat n'a ni bougoumi sous vos épaules. Non, non, est-ce que vous en avez papier? Tiens, un papier, soit une décharge. Oh, il y a des IDPS au premier taki. Dani Banja a dit ça. Non. Attendez. Je te dis qu'est-ce que. Yo, cause à la nappe à papier. Oh, Dani Banja. Mais après, cause à la. Et elle est écrite comme cause à la verbale. Non. Soyez au premier taki verbalement. Ça peut arriver. Comme Dani Banja est ça peut arriver. Mais il y a des circonstances. C'est par rapport à la circonstance. Oh, Mboka Nabiso et Zo traversé. Les décisions peuvent toujours changer. Là, comme on dit, il y a toujours le terme là qui dit que non, la politique est dynamique par rapport à circonstances quelconques. Des données changent, des décisions changent et des positionnements aussi changent. C'est par rapport à ce qu'on est en train de subir aujourd'hui comme agression, comme insécurité, comme réalité, M. Sezo le Kramboka. Ce n'est pas seulement que vous êtes à présent au Sénat, il y a plusieurs postes. Jean-Samuel venait d'être premier ministre ici.
pourquoi pas aussi promouvoir une nouvelle classe politique. Les Zakaka Bato Akalano, au long premier ministre, au comme président du Sénat, au long ministre, il y a économie, au comme président de l'Assemblée nationale, pourquoi pas ça? Mais pourquoi pas une nouvelle classe politique? Est-ce que c'est dit que les Zakaka Bango Kaka, ils doivent toujours se représenter du jour au jour? Non, mais trop, c'est trop. Ce n'est pas ça. Tu peux te représenter, oui, mais par rapport aux circonstances, Moutoussou se fait à pour travailler pour le compte Yamboka. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une parole d'évangile parce qu'on a dit que non, telle personne devrait être, y être, il doit toujours. Non, par rapport aux circonstances, il peut changer le poste. Moutoussou se fait à fond de place. Vous montrez, Ezali Koko, ça t'amène moi, et frustration au sein de l'Union Sacrée. Déjà, le président Maurice Bahati Lokwebo qui était frustré, mais il revient comme deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Mais un membre du présidium, comme Sama Lokonde, vous l'écartez, lui, à présidium. Non, non, on ne l'a pas écarté d'abord. Hein? Est-ce que vous avez dit d'abord combo il appartient à Sama Lokonde? Tu connais combo il appartient à Sama Lokonde? Non, 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 Combo est parti à Bandani Banza. Non, non, non. Non, non, est-ce qu'on a quitté ça? Permanence, on a ça. Bon, ils sont dans combien de partout où ils ont combien de provinces? Pose-toi aussi des questions. Nous avons d'autres partis, Nakati Union Sacrée, qui sont des partis partout où soit que régional ou bien parti à la province. Parti où on a Ezakaka, on a 3-4 députés, on a quitté ça. Soit tu n'as pas la province. Mais un grand parti comme IDPS, un grand parti comme MLC, un grand parti comme AFDC Bahati, mais ce sont des partis qu'il faut respecter. Yoko Yalelo va promettre, yo oui, mais par rapport à circonstances, les dons peuvent changer. Nakoeb sa Dani Banza, Achamai, Mukena Vigno Naye, par rapport à circonstances au Tozali, IDPS a récupéré Bonga Naye. Et ce qui faisait très mal, pourquoi? Parce qu'il dépasse le management et il dépasse ça qui embête. Et Babo Maki Yango, et pour le moment, la situation change. Il y a une situation sur Télémi, l'esprit est Télémi, et les dons changent par rapport à Ndenge Bafasitaki Bango et pas Augustin Kaboya. Il était très passif. Il était très passif à Saraki Makamoussou avec beaucoup de sentiments, sans tenir compte de la réalité. Et aujourd'hui, avec les vents qui arrivent, mon union sa IDPS, Alingi et Lokonyoso, Ezalexika Nango, place ya présidium, ya Sénat, doit revenir à l'IDPS. Ipso facto, bipande, bichouke, bitakoui par ville. Voilà, merci beaucoup, mon amour, Thomas Yerushalem, maintenant que vous m'avez sur la souka. Et déjà, 30 secondes, est-ce les formations à Saint-Echef de l'été Sénégalais à la publier la place publique? Non, non, mais 30 secondes d'abord, ils ont mouqué, on peut prendre même 10, 15 minutes, même 30 minutes sur la situation. Il y a santé à chef de l'État. Donc, réduit, on a une minute au moins. Ah, mais peuple. Parce que l'État nous est imparti. Peuple, peuple, vraiment, peuple a recepé la tête. N'a une minute au Pessinga, mais pas de problème. Tu sais que l'institution président de la République, l'institution Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est une institution sacrée pour ce pays. Et n'a prédécesseur, n'a héros, il y a Kotina Ngwende. Il a récupéré plusieurs personnes. Oyo, Bazaka n'a qu'à la présidence. Mais normalement, il ne pouvait pas faire politique à Otto Jemete Royer, à mettre à Tunyo Solibanda, à Zubato Sikabatier. Mais il a travaillé avec des Congolais qu'il a trouvé. Il y avait même plusieurs infiltrés, soi-disant même des étrangers n'a qu'à la présidence. Mais il a accepté de travailler avec tout le monde. Malgré quelques changements, Salemi, mais il y a plusieurs agent double Nakati à présidence qui fait fuiter des informations. Comment Pierrot Louara il s'est précipité à Mamoutali Bosso pour parler sur la santé des chefs de l'État. Aussi longtemps, c'était quelque chose qui pouvait passer, n'a pas été simple. Et j'ai beaucoup remercié l'équipe de communication à chef de l'État parce qu'il va récupérer la situation et bah, chez le peuple congolais n'attend pas que bah, explique Bango comment les choses se passaient. Et Dieu est un grand, parce que tout le monde soit en arrêt déjà. Avant que le chef de l'État, à Kende, en Belgique, il y avait déjà des bruits à côté, à FCC, pour diaboliser, soit pour pousser que Batouba se révolte. Nama Kambo, Oye, ou Tchoukosalma, soi-disant, Banama, il y a force du progrès, Kendaki, qui occupait, Naku, il y a ancien. Ils faux. Ils non, non, ce sont des montages de toutes pièces pour se salir l'image à IDPS.
Et tout ça s'était préparé que les mercredis à la semaine passée, c'était prévu que Banaye de Pes, Bale Kande, na permanence, Baya Kosa, le mouvement, pour que mon abouté du chef, c'est Jacques Bouya démissionnaire. Mais par rapport à ma fuite d'informations, Zach Kota, FCC est recruté pour faire le désordre et va créer massacre et mouvement en a dévié qui en a été dévié par Paris de Pes. Et ça te contourne et calme Kotaki. Mais quand aujourd'hui, il y a des choses qui se passent, il y a toujours comme ça. Chaque mouvement aux heures de la présidence, c'est la vie privée à chef de l'État, c'est la vie politique, il y a toujours des intrus. On a quoi le faire toujours fuiter l'information et ça nous fait très mal. Le jour viendra, dans quelques jours d'ailleurs, il y a déjà une commission qui est déjà installée pour auditer toute personne, confiler toute personne. Et tous les infiltrés seront mis à l'écart. Voilà, un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs congolais télévisuels, êtes très nombreux en train de nous suivre. Un grand merci à le président Yerushalem, à vous répondre à l'invitation d'Abisso. Je vous rappelle que le président Yerushalem sera bel et bien avec nous en direct le mercredi pour que tout le monde soit solo avec le téléphone ouvert. Et dans les commentaires, dans les suggestions, dans Bino, et que la malamou se disponibilise pour nous. Là, en direct, comme nous le disons toujours, des programmes il y a direct dans la Congo Live Télévision, 11h GMT en direct, et puis 21h GMT en direct, des programmes de direct toujours pour informer Bino, contenir la situation, nous sommes dans la République démocratique du Congo. Président, un grand merci à vous et un grand merci aussi à nos fidèles téléspectateurs. Nous allons nous revoir à un prochain numéro.